Hey Matelot, ici Défroid pour l'épisode de 20 et quelques, je sais plus trop exactement combien, de Projet Genesis, le 24 je crois. Et donc cet épisode-là, comme je vous l'avais dit précédemment, va être cool, hein, assez cool, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Je vais faire en fait les finitions nécessaires sur ce bateau-là, le Léocise, et je vais aussi finir quelques aménagements extérieurs pour le yacht, hein. Et oui, le yacht, il existe encore. Donc, alors, le chat, je vais le virer quand même parce que c'est vrai que c'est chiant avec les bugs. Donc, bon, ici, on a fini. Alors, on ne met pas d'aménagement ou de chaises longues, de tables ici, là, en fait, sur le toit du truc parce qu'il y a trop de vent sur le vrai bateau. En fait, on ne pourrait pas le faire. Donc bah ça serait pas si long que ça à faire, mais bon, bah tant pis, histoire de garder un petit peu de réalisme à la création, eh bien on va pas en mettre tout simplement. Donc en fait ce que j'avais envie d'essayer dans le toit ici, c'est de mettre des genres de petits reliefs. Parce que j'avais pensé au tout début, il y a pas mal de temps, de mettre des plantes, mais c'est moche, hein. Vert sur bleu, non, je pense pas que ça passe très très bien. Donc je vais essayer de mettre des alors comment je vais appeler ça, je sais pas, des reliefs, voilà, dans la structure. Alors si je casse pas tout, hop, 1 2 3, et on va faire une petite longueur, non pas ici parce qu'il y a le mur d'en dessous, on va faire une longueur ici du coup. Hop, alors l'intérieur de Léocise, je le montrerai une fois qu'il sera fini, hein, mais je commencerai la cité Lilypad avant d'avoir fait l'intérieur de Léocise. Donc voilà, soyez pas perturbés. Le yacht, je vais le faire rapidement en fait dans cet épisode-là, pas à l'intérieur. Ah mince, là je suis sur le mur. Ah, j'ai un petit problème là. Ça voudrait dire que ça passe symétrique des deux côtés. Pas bon ça. Attendez, il y a vraiment deux, deux. Ouais, deux, deux. Ah, c'est pas terrible. Juste obligé de le foutre là. Ah oui, mais attendez, ça reprend comme ça par ici. Ah, ah là là. Hop, donc je reprends les trucs ici. Bon bah tant pis. Ce sera décalé de un bloc sur un des côtés. Bon, tant pis, tant pis. Hop, donc là je m'aligne quand même avec l'autre bazar. Hop, hop. Je vais déjà faire un rond comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Après on verra bien. Pour la suite, hop. Attendez, pourquoi c'est pas aligné ici là? Ok, donc c'est ici, hop, et hop. Ah là, je suis en train de tout casser, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, est-ce que le rond, il me plaît? Bof, bof. Hop. Hop. Est-ce que c'est plus mieux comme ça? Bon, écoutez, on verra. Hein. Hop. Ouais, ça a l'air d'être plus mieux. Hein, si je veux bien causer la France. Donc, hop, attends, peut-être un truc comme ça rendra mieux. Hop, ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc je vais faire un trou comme ça. Hop, et je vais décaler en fait le plafond de un bloc sur toute la surface ici, histoire de voir comment ça. Là, je fais vraiment un test complet. J'ai même pas fait ça en hors caméra, donc on verra ce que ça donne. Je vais essayer d'aller assez vite. Je pourrais utiliser World Edit à la limite. Ouais, bon allez, on va faire ça. Ah oui, mais évidemment, comme j'ai viré le chat. Oh bon, tant pis. Voilà, c'était ça aussi le problème de que j'avais dit aussi l'autre coup. Si je vire le chat, je peux plus utiliser World Edit, ou alors faut refaire la manip à chaque fois, remettre le chat, faire les commandes dans l'edit, le revirer. Oh là là. Bon, je vais essayer de quand même faire ça rapidement.
Bon, je vais quand même remettre World Edit. Non, c'est pas ici. Hop, c'est ici, attention. Et mince. Hidden Shown, voilà. Parfait, parfait. Hop. Alors, j'en ai pour des plombs, moi, encore à la main. Hop. Hop. Pose 2, 7, 0. Et vloup, il y a tout un morceau du truc qui est parti. Donc, là, je le vire vite fait. J'aurais dû faire un copier-coller. Tiens, j'ai pas pensé. Bon. Tant pis, tant pis. Hop. Là, je vais faire ça rapidement. Là, je prends mes petits repères. Hop. Ah là là, je peux pas monter. Hop. Ah oui, mais non, mais je suis bête, moi. Hop, comme c'est un bloc en dessous, il faut que je me mette ici. Hop, donc, pose 1. Et... Ah ouais, d'accord. Donc ici, ça se confond avec le mur, et de l'autre côté, ça se confond pas. En fait, c'est le petit décalage du mur ici qui est décalé de... De un bloc. Oh, les boules. Bon. Bon, comme quoi, vous voyez, un petit décalage de mur comme ça peut donner un décalage de un bloc complet sur la largeur. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant, faut faire gaffe à chaque fois. Hop, donc non, c'est ici. Hop, pose 2. Alors, cette boule, 2 points bleus. Et pouf, donc là, on a toute notre surface. Et on va combler à la main. Hop, donc voilà, ça reste un épisode très cool. Hein. Je pense qu'avant de commencer la Lilypad, la cité Lilypad, si vous n'avez pas vu l'épisode d'annonce en fait du projet Genesis de la série, je vous conseille d'aller le voir parce que voilà, là il y a toutes les photos des projets, des trucs, donc vous trouverez tout là-dedans. Hop, là je bouge. Est-ce que ça rend mieux? Bah c'est pas déplaisant, hein, mon sens. Ah ouais, moi j'aime plutôt. Bah, ça se voit pas tant que ça, mais bon, oui, j'ai remis un peu le brouillard au loin dans Minecraft parce que... Ah, ça c'est peut-être plus de cachet. Ouais, est-ce qu'on en met autre part? Bah, on verra, on verra, on verra. Par contre, du coup, j'aimerais mettre d'autres cordages. Parce que vous voyez, en fait, bon, limite, les trucs comme ça, là, j'en ferai moi-même hein, sur le reste de la coque. Je pense que je vais en faire un autre gros ici, là, qui va entourer le mât du milieu ici, là. Et puis, ça ira très bien. Maintenant, oui, donc les cordages. Vous voyez que sur les mâts, là, il y a deux cordages par mât qui sont vers l'arrière. Uniquement. Et moi j'aimerais bien mettre deux l'avant ici, vloup, jusqu'à bah, jusqu'au devant ici. Donc, et pour ça, eh bien je vais utiliser le bloc de machin. Parce que voilà, mettre des barrières comme ça de fer directement, de poser à la main, en fait, bah, vous voyez que c'est tout petit, donc c'est chiant à cliquer dessus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bloc qui n'est pas encore utilisé sur le bateau. Et je prendrai une sélection de zone et par World Edit, je transformerai. Ces pierres-là en barrière de fer. Donc du coup, je vais essayer de me deviser à peu près bien pour que ça atterrisse sur le toit du bateau. Donc un peu comme ça. 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop. Là, je me mets ici histoire de voir où est-ce que je vise. Attendez. Ah, ça n'a pas l'air terrible, terrible. Voilà, je suis juste au bord, donc je vais peut-être faire alterner 2 et 3. En fait, au niveau des trucs, donc 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, hop, et normalement, on devrait avoir quelque chose d'à peu près correct. Bon, on va essayer comme ça. J'en ferai qu'un seul, hein, des cordages comme ça, et après je ferai tout hors caméra, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... De plus rigolo à voir, de voir poser tout le temps les mêmes blocs. Donc attendez, là j'ai posé 3, donc 2. Hop, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2.
1, 2, 3, comme à la danse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, mis à part cette vanne pourrie, retournons à notre petit bateau. Hop. Oui, parce que c'est un petit bateau, hein, et je déconne pas en plus comme je le dis. C'est vraiment un petit bateau par rapport à la Lilipad. Par exemple, là je prends le France à côté, il fait à peu près la tête du Titanic, hein. Grosso modo, là il fait. Ouais, il est un poil plus grand que que le Titanic, hein, ce bateau-là. Eh ben, la cité Lilipad, la taille du truc, ça sera vous prenez le bout là-bas du bateau, l'autre bout là-bas, vous prenez ce point-là comme centre. Et avec ce point-là, vous faites tout un tour comme ça autour du centre, du cercle. En fait, là, c'est la taille du bateau. Là, c'est le rayon, en fait, hein, d'un cercle dont le centre est à l'arrière du bateau. Et vous le faites pivoter le bateau tout autour. Et ben, la surface de ce truc-là, ça sera la cité Lilliput. Voilà, ça vous donne une petite idée de la taille du bébé. Et on va voir déjà si je tombe sur le. Je tombe pas du tout sur le. Oh, punaise! Je vais être obligé de tout raser. Ah, quel boulet! Bon, enfin, bon, bref. Normalement, il faudrait calculer. C'est ce que je faisais, moi, sur les cordages avant, mais là, j'ai carrément la flemme. Donc, je vais devoir y aller 4 par 4, du coup. Ah, c'est pas terrible, ça. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, maintenant, je me mets haut du truc et je regarde où est-ce que ça atterrit. Si je m'aligne avec le machin, ça atterrit juste au bord. Donc on verra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, allez, un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Et oui, j'atterris sur le toit du bateau. Donc ça, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4. Pouf, pouf, pouf. Et on atterrit juste avant la ligne blanche. Hein. C'est limite. Je pourrais faire croire que c'est calculé, ça, tiens. Mais enfin bon, ça ne l'est pas. Donc là, je fais une petite ellipse et je vous reprends dans quelques temps, le temps que je place les cordages un petit peu partout. Et me revoilà donc, j'ai placé rapidement les petits cordages. Et maintenant, on va utiliser World Edit pour les transformer en iron bars. Alors, moi je place une commande, en fait, c'est. J'ai pris la sélection de la zone, en fait, hein, de là-bas. Enfin, j'ai sélectionné la zone et maintenant je vais replace 98 qui est donc les briques, l'item des briques par Iron Bars et regardez, magie. Vous voyez, toutes tous les chunks s'actualisent au fur et à mesure et donc voilà, les cordages apparaissent et ça fait vraiment la bateau là, ça fait vraiment voilier quoi du coup. Oui, alors quand je disais aussi tout à l'heure, petit bateau. J'ai pas réfléchi là-dessus. En fait, si on compare ce bateau-là à la cité Lilipad qu'on va faire après du coup, évidemment ça paraît petit, mais est-ce que la cité Lilipad peut toujours être considérée comme un bateau? Parce que là du coup, les bateaux avant c'était des moyens de transport qui sont devenus des destinations. Là pour le coup, ça serait une destination à part entière et non plus un. Un bateau, une embarcation finalement. Donc, est-ce que les villes flottantes peuvent toujours être considérées bah, des bateaux? Est-ce que certains bateaux peuvent pas être considérés comme des villes flottantes? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Et c'est pas le problème ici. Donc là, je vais aménager en fait les ponts du yacht à l'extérieur du yacht. Hop. Et on va faire ça. Tranquillement, hop, donc là je vais mettre bah, ah, comment ça s'appelle ces trucs-là, là, les chaises longues. Les chaises longues pour se placer. Hop. En mode cool. Hop, donc du coup, là je vais mettre un petit parasol quand même. Un petit gros parasol, histoire de, hein, parce que sinon, c'est pas un yacht. Hop, hop, ah oui c'est chiant les cliquer sur les barrières comme ça, j'aime pas du tout.
Hop, du coup, je vais faire des trucs un peu comme ça. Hop. Donc, oui, pour les prochaines fois, en fait, je vais pas commencer la cité Lilliput directement parce que c'est quand même un gros projet. Et donc, du coup, je vais vraiment prendre le temps de faire des plans précis sur ce truc-là parce qu'il faut savoir que ça va nous prendre quand même au moins 3 mois, 4 mois facile pour la construction de ce truc-moi. Enfin, de ce truc-là, pardon. Hop, donc du coup, je préfère, enfin, quitte à prendre son temps, autant vraiment le prendre comme il le faut, et ne pas partir, qu'est-ce que c'est, pourquoi que j'ai foutu ça là, moi? Non, non, il faut mettre des, ben, j'ai envie de mettre des sièges, tiens, j'avais déjà les sièges qu'il fallait dans mon inventaire, hop, c'est la table à 4, hein, classique, hop, alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, du bois comme ça, est-ce que ça passe bien? Pff, moi, ma foi, bon, oui, ça passe. Hop, donc du coup, ici, j'ai envie de mettre un petit jacuzzi. Madame, ben oui, parce que... Et puis c'est tout, hop, donc... Alors, hop. Ici, là, voilà, et ben, on va mettre des glowstones en dessous. Alors, il y en avait qui m'avaient demandé aussi là, pour la glowstone. En fait, la glowstone, je l'ai piquée... elle est pas sur le pack originel. Celui-là, je l'ai changé hein, sur le pack que j'utilise. Et c'est la glowstone qui vient du Soartex que j'ai adapté en HD en fait, en fois 128 parce que le Soartex il est en 64. Et moi je l'ai adapté en 128 du coup. Hop. Donc je le mettrai pas en téléchargement mon pack perso hein, parce que voilà c'est le unlocked à 99% et donc du coup. Voilà, il n'y a pas de raison particulière pour que je le mette. Donc ici, je vais peut-être mettre quand même plus de... Hop. Et voilà. Et ici. Limite, je pourrais même me payer le luxe de foutre une piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Ben... Ouais, quoique... Bon, quoique. Donc, je vais mettre une... Une... Comment qu'on appelle ces trucs-là? Bah, une aire de repos, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Donc, un truc un peu comme ça. Hop. Avec des tables au milieu. En demi-bloc, les tables, hein, quand même. Hop. Bah, comme ça, plutôt. Ouais, ça fait un peu bizarre. Bon, tant pis. Et donc, du coup, sur le côté, on va mettre. Ah. Ah bah tiens, ça que j'ai dans la main, c'est pas mal. Hop. Hop. Et ces trucs-là. Alors, je sais pas si ce que je fais est joli. J'espère, parce que, bon, c'est quand même un peu le but, mais bon, hein, au pire, hein, je peux me planter. Parce que c'est vrai que moi, la déco, c'était pas mon truc. Hop. Ah là là. Oui, alors j'aurais dû compter peut-être avant de faire ce truc-là. L'espace qu'il y avait entre les deux piliers, histoire que je sache combien je dois faire de large pour chaque truc. Donc là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y en a 3. Ouais, bon, je pense que ça devrait le faire. Hop, une fois comme ça. Hop. Et hop. What the fuck? Ah oui, d'accord. Ah, mais oui, exactement, parce que je dois le diviser par 3, en fait, la hauteur. Ah, je suis un boulet. Je suis un boulet. Donc, hop, ça, je le vire également. Hop, et voilà, c'est comme ça que je vais faire. Je me suis enfin dépatouillé. Hop, donc, bah voilà, ça rend pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Donc du coup, bah, je vais mettre ouais, encore des transats. Hein. Et puis voilà. Les transats, ça habille bien le tout. Limite des petits arbres. Ou des plantes vertes. À voir. Hop. Et aussi devant, hein, parce que voilà. Parce qu'on va pas s'en priver. Donc, alors.
Alors on arrive vers la fin de la vidéo et donc du coup je vais aménager le reste assez rapidement. Pouf, 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 pouf. Hop. Hop, donc voilà. Hop, ouais. Limite. On va faire ça comme ça. Donc ça aussi, on va mettre des petits... des... Ouais, des bancs. Parce que voilà. Hop. Je réaménagerai ça un petit peu mieux après. Ouais, je vais mettre des tables hein, quand même, parce que sinon... voilà, ils vont s'emmerder. Pouf, pouf. Ok. Et ici, ben... ma foi, une petite terrasse, là encore. Hop, alors je vais prendre que des trucs en coin comme ça, hop, histoire de voir ce que ça donne. Hop, une ta table au milieu, pouf pouf. Oh, ma foi, c'est pas trop mal. Hop, donc je vais mettre ouais, des plantes vertes, c'est ce que je disais. Hop, des trucs comme ça avec un pot en comme ça. Ça va être swag. Hop, hop. Ok, donc ici, ouais, quelques plantes vertes aussi, ça pourrait être pas trop mal. Hop. Non, pas ici. Parce que j'ai envie, puis c'est tout. Hop, donc là, le devant, il est relativement bien chargé. Donc, on va mettre... ouais, peut-être un truc dans les coins ici. Histoire de... hop. Donc là, c'est censé symboliser le pot de fleurs, en fait. En rouge, en terre cuite, voilà. Oh, bah voilà. Alors, en plus, le petit truc à l'avant, ça fait à moitié le rond, ça fait swag. Donc, du coup, là, il est vraiment chargé et ça fait plaisir à voir. Donc, du coup, la prochaine fois, je vais pas commencer la cité Lilypad tout de suite, comme je disais. Je vais faire un voilier avant, mais un voilier comme je sais faire de d'habitude, c'est-à-dire un voilier traditionnel du vaisseau du 18e. Je sais pas encore lequel je vais faire, mais ça devrait pas prendre énormément de temps. Ce sera 3 vidéos au maximum pour le faire. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de... non, ce sera pas Projet Genesis du coup, mais on verra bien ce que ce sera. Salut tout le monde, et bonjour à tous, bon vent matelot.